Bonjour, je m'appelle Lisa Butrine, je suis photographe professionnelle à Charleville-Mézières et aujourd'hui je vous invite chez moi. Oh, c'était débile! Depuis 10 ans, je suis photographe professionnel. J'ai eu les amis photographes qui ont été plus âgés que moi. On a se rencontrés, on a fait les essayages. En plus, j'ai visité beaucoup des expositions. J'étais inspirée en fait partout et voilà, j'ai essayé moi-même. Oui, c'était Skina, je pense que c'est Made in China. J'ai acheté à 14 ans parce que j'étais très grand fan d'un groupe et j'ai voulu faire moi-même les photos dans les concerts. Oui, je pense que c'était le mariage. Soutenir qui était payé en fait. Si on parle de, déjà professionnel, c'était le mariage. Je ne peux pas dire qu'il y a une photo spécifique, mais je pense plutôt que je suis fière des photos qui ont rendu du service aux gens, les photothérapies qui ont donné confiance aux gens. Voilà, je pense plutôt que c'est ça. Et rendre du service, comme par exemple les gens, ils peuvent utiliser les photos pour les castings, pour le CV, en fait, dans la vie. Oui, dans 2014, j'ai lu un article sur Internet que Vogue Italy, ils ont ouvert sur son site un espace, c'est Talent Photographers, un espace pour les photographes où vous pouvez essayer de télécharger votre photo, proposer. Et comme ça, une ou deux fois par semaine, vous pouvez les télécharger. Il y a un administrateur qui décide est-ce que ça lui plaît ou pas. Donc en fait, j'ai créé en gros mon portfolio sur le site Vogue Italy. Donc il y a vraiment quelqu'un qui regarde et si ça lui plaît, ils prennent votre photo. Je pense que les Ardennes, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'architectures uniques. Il y a la nature. Et je pense que vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous inspire. On dirait la même réponse parce que je vais avoir, parce que c'est vrai, ce que m'attire, c'est l'architecture, premièrement. Après aussi, bien sûr, la nature. Parce que je trouve que c'est unique, les forêts comme ça. Il y a encore les animaux. Il y a, donc, ça veut dire qu'on respire bien ici. C'est le travail avec les gens, déjà. Découvrir la personnalité, montrer les gens autrement, même pour eux-mêmes. On dirait sortir de la zone de confort, des fois. Et même, c'est la zone de confort de mes modèles. Elles ont peut-être même jamais vu eux comme je vois. Ça me plaît montrer un autre côté des gens. J'aime bien ça. Oui, c'est Annie Leibovitz, c'est Helmut Newton, c'est Bruce Weber. Voilà, c'est le monstre de la photographie, donc oui. Je pense que plus lifestyle, parce que encore, c'est souvent les portraits, c'est souvent lié avec fashion, art, la musique et tout ça. Donc pour moi, c'est plus lifestyle. En plus, j'aime bien aussi faire photo des objets, des architectures, de la nature. Donc, mais tout ça, c'est life. Je pense que c'est très utile, c'est confortable, c'est rapide. Bien sûr, on ne peut pas avoir la même qualité qu'avec un appareil photo pro. Mais franchement, c'est très utile et j'aime bien que les technologies elles avancent.
Donc, c'est intéressant toujours, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va voir plus tard encore? Blossom Talent Agency, c'est une association qui regroupe les personnes talentueuses dans la musique, dans l'art, dans le spectacle. Le but, c'est aider aux gens à transformer les rêves en réalité. Les gens qui habitent en Ardennes, ils peuvent être célèbres en fait partout dans le monde. Et c'est ce qu'on fait. On essaie de montrer à tous que voilà, hello, on a les talents. Et on fait la promotion pour eux partout dans le monde. J'ai vu vous conseiller de ne pas dépenser tout de suite sur un appareil photo cher. Et vous pouvez aller dans le magasin, louer un appareil, essayer lui, peut-être même différents appareils photo. Comme ça, vous pouvez imaginer est-ce que ça vous plaît ou pas. Est-ce que c'est vraiment utile pour vous. Donc, je vous conseille juste louer et essayer. Couleur. Portrait. Numérique. Par retouche. Charleville-Mézières. Ardennaise. Ça, c'est une de mes maisons préférées. C'est trop beau et toujours un peu mystérieux. Je me demande qui habite là-bas ou qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est trop beau. Il faut plus souvent monter la tête pour voir cette beauté que vous pouvez le retrouver en haut des bâtiments. Quand je me promène, je regarde toujours qu'est-ce qu'il y a. Oui, il faut monter la tête, il faut regarder vraiment souvent en haut, mais aussi il y a un autre côté que, comme moi, je regarde en l'air partout, mais je ne regarde pas par terre. Donc des fois, les voitures, etc. peuvent arriver. Hein. Attention. Nous regarde comment c'est beau cette magnifique, magnifique maison. Mais franchement, j'adore. Chapeau aux architectes. C'est intemporel, c'est trop beau, c'est chic. C'est vraiment luxe des luxes sur la ville Mézières. Oui, c'est vrai que cette avenue, c'est une de mes préférées. J'adore. Tu es d'accord, c'est beau. Même les portes. Regardez, s'il vous plaît. Et la tête. Voilà, coucou madame ou monsieur, monsieur, je pense plus. Mais qui sait, hein. Ici, on a imagination. On commence à penser à quoi il s'agit. Dommage que pas toujours je peux trouver l'information à propos des bâtiments à Charleville. J'aimerais bien savoir. Cette vue-là, j'adore. Ça m'inspire beaucoup. Je viens souvent, même d'ailleurs cette vue-là, j'ai dans le Vogue. Et j'adore deux bâtiments pareils. C'est comme vraiment pour moi dans la tête, c'est comme entrer dans la ville. C'est comme deux gardiens. Donc pour moi, je n'ai jamais la question où je vais aller faire les photos. Je sais que je vais sortir, il suffit de sortir, c'est tout. Je vais trouver. Il y a plein de places magnifiques pour faire les photos, plein de rues petites. Il faut juste regarder, il faut être inspiré même par les choses que vous avez déjà. Vous pouvez, c'est, je ne sais pas, tu regardes au quotidien, tu te dis, ben voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, non mes amis, c'est exceptionnel, c'est trop beau.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Lisa Butrine, Instagram, Facebook. Et n'oubliez pas, levez les yeux.